D'accord. Ah oui, alors. Gilets jaunes, quel est votre métier? Le 1er mai, c'est pas la fête du muguet.
taxi, c'est qui? C'est toi, c'est moi. On a fait quoi? On a augmenté les salaires et on réduit la misère. On donne un vrai emploi et du pouvoir d'achat. La casse de la protection sociale, la casse des services publics et de l'éducation, de la santé, de la culture, de la justice, l'édouardisation, la castanarisation met en danger les libertés fondamentales et le droit de manifester. Parce que les libéraux au pouvoir font le jeu de l'extrême droite en interdisant de manifester, en s'attaquant à la liberté d'informer, en ciblant les étrangers et leur soutien. Parce que la politique libérale entretient la désespérance sociale. Non, 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 Macron, on n'en veut pas. Non, 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 Macron, on n'en veut pas. Au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. Ce 1er mai 2019 ne doit pas déroger à cette attache. Nous revendiquons la hausse des salaires, du pouvoir d'achat, la conservation de notre assurance sociale, l'assurance chômage, la convention collective. Derrière, on a fait la première.
principe de l'éducation nationale, continue de dire dans la cour de récréation, va jouer avec tes camarades. Va jouer avec tes camarades. Le 9, il y a un appel, grève et manifestation pour la fonction publique. Effectivement, on a tendance, et on le dit avec raison, que les services publics sont une richesse et sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, je pense que plus que jamais, il faut défendre ces services publics. Et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous le 9 mai, jeudi 9 mai, à partir de 13h30. Et puisqu'il est question des services publics, il y a un service public menacé sur notre territoire et au CERF, vous le savez, forcément, vous en avez entendu parler, c'est le collège Bienvenue Martin. Et donc là, on arrive vers l'épilogue, certainement, de fermeture ou pas fermeture, puisque jeudi, logiquement, le préfet va prendre et va donner sa décision de fermeture ou non de ce collège, dernier collège de l'Auxerrois en éducation prioritaire. Donc c'est tout un simple. Jeudi dernier, donc 18h30 dans la cour de l'inspection académique, tous ceux qui peuvent être là pour faire le meilleur accueil qui se doit aux personnes. On ne sait pas encore la décision, hein. Donc on verra à ce moment-là. Et puis bien sûr, incontournable, faites-le savoir le 9 mai pour défendre les services publics, hein, qui nous sont chers et pas qui nous coûtent cher, comme dirait notre président. Donc soyez tous là le 9 mai à partir de 13h30, place de l'Arquebuse. Merci à vous en tout cas d'être venus ce matin. 1er mai, hein, et comme d'habitude, à chaque fois qu'on organise des grandes mobilisations, il fait toujours beau. Thank you.
peux chanter. Des adhérents, des retraités, des privés d'emploi qui seront traités dignement sur l'ensemble du territoire. De proximité. Filmé par les RG.